Salut, salut, moi c'est Madame Numbisi, la Gabonaise. J'adore l'émission Icône d'Afrique et le présentateur Patrice Kaji. Je l'encourage. Salut à toutes et à tous. Merci infiniment de me recevoir chez vous pour cette autre édition consacrée aux icônes de l'Afrique. En ce moment où les gens se posent la question de savoir que vont-ils devenir, au lieu de se poser la question de savoir que sont-ils devenus. Oublions que notre devenir est la résultante de ce que nous sommes aujourd'hui. En ce moment où l'espoir devient presque un poison, dans un contexte où les jeunes ne rêvent plus, pas parce qu'ils n'ont pas d'ambition, mais parce qu'ils n'ont pas de repères. Il est important pour nous, voire fondamental, d'aller vers ces personnes qui se démarquent dans leur domaine de prédilection, ces personnes qui essayent de faire des choses extraordinaires pour rehausser l'image de l'Afrique. Nous sommes aujourd'hui avec un invité spécial. Celui qui est notre invité, mesdames, messieurs, c'est un jeune dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il s'appelle Romain Samedieu. Il décide de quitter le Cameroun à l'âge de 13 ans pour aller du côté de l'Europe pour suivre son rêve. Arrivé en Europe, après sa formation, il va débuter ses classes dans une entreprise italienne qui fait dans l'ameublement précisément. Après sa formation du côté de l'Europe, après ses classes dans une entreprise italienne, il décide de rentrer au Cameroun, créer sa propre entreprise afin de mettre au service de son pays, ses connaissances, ses compétences. Mesdames, messieurs, notre invité aura l'occasion de vous parler de lui, de son parcours, de son expérience, de sa passion pour le domaine de l'entrepreneuriat, surtout pour le domaine de l'entrepreneuriat. Je vous prie de recevoir, comme il se doit, notre invité que voici. Alors, bonjour. Bonjour. Nous sommes très contents de vous recevoir dans cette émission qui célèbre les valeurs sûres, anciennes comme nouvelle génération. Il faut dire quand même que lorsque on a parcouru votre parcours, permettez-moi cette répétition, on se rend compte que vous quittez le Cameroun à l'âge de 13 ans. Alors pourquoi quitter le Cameroun très tôt à l'âge de 13 ans? Bon, en fait, je suis quitté le Cameroun justement parce que je ne me sentais plus à l'aise, je me sentais un peu étouffé et je me suis lancé dans le commerce. Après, ma maman m'a demandé « qu'est-ce que tu veux donc ?» J'ai dit à ma mère, moi je veux partir en Europe. Et je peux dire encore grandement merci à elle, puisqu'elle a cru en moi et directement, elle m'a envoyé en Europe, à l'âge de 13 ans. Ok, on aurait dû commencer exactement par là. Alors, présentez-vous exactement à ceux qui vous regardent et qui ne vous connaissent pas, de manière sommaire. Qui êtes-vous exactement? Moi, c'est Romain Samedieu, PDG, directeur fondateur de la société Royalus Meubles Cameroun. Donc, nous faisons dans l'ameublement interne de luxe, aux standings européennes et à la dernière technologie de pointe d'ameublement mondial. Je me déclare numéro 1 en Afrique centrale dans l'ameublement. Donc, si on veut bien comprendre, vous faites dans l'ameublement. Alors, revenons sur votre parcours qui est extraordinaire. Arrivé en Europe, est-ce que vous avez eu la facilité de vous acclimater? Est-ce que c'était facile en Europe? Parlez-nous exactement de votre parcours en Europe avant de revenir au Cameroun. Je dirais ceci d'abord. Dès que je suis arrivé en Europe, j'ai été vraiment énormément choqué. Pourquoi? Parce que la première société que je travaille là-bas, cette société fait dans le bois. Ils fabriquent les meubles. Par ma grande surprise, je vois des bois qui quittent du Cameroun, qui quittent du Nigeria, qui quittent en Afrique. Et on nous paye extrêmement cher. Et moi, je travaille là-bas. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que on nous paye cher et c'est des Africains qui reviennent encore payer le meuble. Moi, j'ai trouvé encore très, très injuste. Parce qu'ils sortent tout le bois qui est bon. Ils font le meuble qui reste chez eux. Et c'est la suie qui est le déchet de ça qu'ils compactent pour fabriquer le meuble pour renvoyer chez nous. Donc, directement, ça m'a rebellé. J'ai dit, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Avec tout le bois que nous avons chez nous, le bois arrive, on utilise la bonne partie et on nous compacte la suie avec des bonnes finitions pour renvoyer chez nous. Ça m'a choqué et j'ai dit non. On pourra faire la même chose chez nous. On pourra développer avec du bon bois, des bons meubles à la même finition pour nos propres frères africains. Pour consommer quelque chose qui sera durable que de nous tromper avec de la suie compactée, qu'au bout de 2 ans, ça va beau briller, mais ça va mouiller, il y aura des problèmes et tout. C'est impressionnant quand même ce que vous dites. Alors, vous décidez de rentrer au Cameroun. Et votre entreprise, quelles ont été exactement vos différentes motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir au Cameroun, vous installer définitivement? Donc, comme je vous disais, juste à mon arrivée en Europe, en travaillant dans cette entreprise, voyant qu'on nous envoyait de la suie compactée chez nous, c'était déjà
le moment où je me suis décidé, je dois rentrer créer chez moi. Et c'est à cette période que j'ai fait des formations en Italie, des formations en Turquie pour maîtriser toute la technologie. Parce que réellement, le vrai problème, c'était la technologie. J'ai fait toute cette formation et acheté toutes les machines qu'il fallait et rentré chez nous, créer cette entreprise en 2016. 2016, exactement. Alors, Royal Luxe, Royal Luxe Meubles, c'est ça? Oui. Vous avez commencé avec un capital de combien? Parce que les gens ont tellement de difficultés à vouloir commencer un business parce que parfois le capital, on n'a pas tout ce qu'il faut. Vous avez commencé avec combien exactement dans votre domaine? Je peux dire, le capital d'un business pour moi. Le capital d'un business, ce n'est pas l'argent en espèces. Parce qu'on peut vous donner 800 millions, même des milliards. Si vous ne savez pas quoi investir, si vous ne savez pas quoi faire, ça finira par zéro. Donc le grand capital, c'est le talent. La technologie que j'ai appris, qu'on est apprendre à manipuler les machines, c'est tout ça qui fait le paquet de l'entreprise. Parce que dès que vous avez la recette pour créer une entreprise, la recette, maîtriser l'entretien des machines, connaître d'où il faut acheter les matières premières, connaître tout le montage, vous n'avez même plus besoin des finances. Même un bon banquier pour vous financer, pour créer votre affaire, parce que c'est ça cette recette. Et c'est ce que je demande à beaucoup de jeunes Camerounais, d'avoir une recette, un business plan en quelque sorte. Ok, alors quand vous arrivez au Cameroun, est-ce que les démarches ont été faciles? Est-ce que vous n'avez pas été agacé, embarrassé? Racontez-nous exactement votre expérience au Cameroun quand vous êtes arrivé avec le contexte qu'on connaît bien. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous insérer après tant d'années passées en Europe? Est-ce que vous vous êtes facilement intégré au Cameroun? Pour moi, je dirais oui et je dirais en même temps non. Je dirais oui, pourquoi? Parce que s'intégrer, créer l'entreprise, tous les documents qu'il faut, franchement, le gouvernement nous encourage aujourd'hui. Donc c'est facile de créer une entreprise et la procédure était rapide. Et du côté où je dirais non, c'est que beaucoup de gens, quand je parlais de ce projet, quand ils voyaient, ils ne s'en arrivaient pas. Ils voyaient un investissement qui est énorme, des machines qui sont colossales et demandaient comment allons-nous récupérer. Et ils avaient toujours peur. Si les machines là tombent en panne, comment on peut entretenir? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la menuiserie, mais toutes nos machines sont électroniques et informatiques. Il faut maîtriser tout ce processus. Mais moi, je n'avais pas peur parce que j'ai fait 13 ans sur cet apprentissage. Donc pour moi, ce n'était rien. Ok. Et donc, si on veut bien comprendre, c'est que vous avez cru en vous. Et malgré les péripéties, vous avez pu créer votre entreprise. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'être utile à la société? Oui, je dirais, je suis vraiment très très fier d'être utile. Pourquoi? Parce que notre entreprise, par exemple, nous avons commencé à 4 employés. En moins de 3 ans d'existence, nous sommes déjà un palier de techniciens chevronnés de 26 employés. Justement parce que ça accroît. Et je suis très très fier et très très passionné de participer à réduire le chômage dans mon pays. C'est bien. Alors, selon vous, quand vous regardez l'environnement, quand vous regardez le Cameroun, l'Afrique, qu'est-ce qui manque exactement aux jeunes Africains? Qu'est-ce qui fait que les jeunes Africains, au lieu de se plaindre, se prennent en charge? Qu'est-ce qui manque aux Africains, aux jeunes Africains? Je dirais encore l'esprit d'entrepreneuriat. L'esprit d'entrepreneuriat. Parce qu'au Cameroun, en Afrique, on dirait que les gens ne sont pas motivés de ce qu'ils font. Je prends un exemple, je suis menuisier. Nous avions des machines qui coûtent des centaines de millions. Mais il y en a qui font la même chose que moi, qui ont tollé des charpentes de 800 000, de 400 000, mais qui n'ont que 30 000 de capital. Donc un arrache-clou et une scie et un marteau. Par contre, ils ont investi sur leur propre domicile à 2, à 3, à 4 millions. Mais son business qui lui nourrit tous les jours, ça a un capital de 30 000. Donc c'est comme s'il ne croyait pas en ce qu'il faisait. Pourtant, de l'autre côté, en Europe, les Européens sont avancés parce que le plus grand capital est investi dans leur entreprise, parce qu'ils croient. Alors, tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut croire en vous, parce que le meilleur de vous est en vous. Mesdames, on se retrouve juste après pour une autre partie consacrée à votre émission, Les Échos d'Afrique. Merci infiniment pour votre fidélité inconditionnelle. Pour vous qui nous rejoignez à présent, c'est votre émission Les Icônes d'Afrique, un moment de partage et de célébration.
de partage parce qu'il s'agit pour notre invité de partager avec vous son expérience. Il s'agit également pour nous de célébrer nos valeurs sûres. Et aujourd'hui, nous sommes avec Romain Samedieu, qui est une icône de la nouvelle génération dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il fait dans l'ameublement spécialement. Il aura l'occasion dans cette autre partie de vous parler de ses activités. Alors, monsieur Romain Samedieu, dites-nous exactement quelles sont vos activités, qu'est-ce que vous faites exactement? Royalus Meubles, qui est notre entreprise, nous faisons dans l'ameublement intérieur de luxe, donc des cuisines américaines, des cuisines canadiennes, des lits sur mesure et des meubles d'entreprise. Donc chez nous, tout est facile. Quand un client arrive, on prend d'abord les métriers. Et après les maîtres, on fait un plan pour son projet, dont on lui propose un plan en 3D. Et tout ça, c'est gratuit. Hein? Tout ça, c'est gratuit. Jusqu'à ce que le client a son image, à son goût et à sa couleur, avant qu'on passe à la facturation. Donc tous les clients chez nous sont toujours satisfaits parce que ils valident sur un plan en 3D. Ils valident sur un plan en 3D et nous les sortons des meubles sur mesure au standard européen. Ce qui est quand même impressionnant dans ce que vous faites, c'est que c'est fabriqué au Cameroun. Est-ce que vous pouvez certifier à tous ceux qui vous regardent que vous faites dans le Made in Cameroun? Parce qu'il faut encourager cette initiative. L'Afrique a un incroyable talent, il est important de valoriser le talent africain. Est-ce que c'est Made in Cameroun exactement? C'est bien Made in Cameroun. L'entreprise déjà est à Douala. L'entreprise est située à Lorbessou, à Sans Douala. Publicité, hein, il faut rappeler. Oui, et bon, c'est juste pour dire. Parce que là, ceux qui en doutent pourront visiter l'entreprise. Okay, pour être su ici, c'est Made in Cameroun. C'est le Made in Cameroun. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Est-ce que vous en sortez dans votre activité? Je dirais oui, je m'en sors dans notre activité. Ça ne vaut pas la peine de mentir. L'activité se porte très bien. C'est pourquoi on est passé de 4 employés à 26 employés. Ça veut dire que ça marche. On ne pourra pas mentir. La difficulté que j'ai eue et que je continue à avoir au Cameroun, c'est le nombre de techniciens, le transfert de technologie. Parce qu'au moment où nous avions 10 techniciens qui maîtrisent la technologie, on recrute 8 autres personnes, croyant qu'on peut satisfaire la demande est toujours pas satisfaite. Très grande. Il faut encore reformer d'autres. Donc la difficulté, c'est le temps de former les Camerounais, le temps de faire ce transfert de technologie, puisque la commande est en est, puisque la qualité est là, la résistance est là, et c'est un peu ça quoi. Alors, quand vous faites une introspection, est-ce que vous avez le sentiment d'être un entrepreneur heureux? Est-ce que vous avez des regrets? Ou alors, est-ce que vous avez des regrets exactement? Est-ce que vous êtes heureux jusqu'ici? Je dirais encore, je suis très très heureux. Parce que mon combat dès le départ était quoi? On nous vend de la suie compactée comme moquerie, comme pour se moquer de nous. Je suis heureux aujourd'hui de participer principalement, de permettre aux Camerounais d'avoir une cuisine de luxe, d'avoir des meubles de bureau sur mesure et avec du bois camerounais. Je suis très très heureux. À toute fois que je recrutais encore un employé, que je réduis le chômage, j'ai toujours de la joie. Ça c'est vraiment magnifique ce que vous faites. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. On parle des technologies, de l'information et de la communication. Quel est l'impact que ces TIC ont sur l'évolution, sur le quotidien de votre entreprise? Déjà, le numérique, on ne peut pas s'en passer. Parce que déjà, même dans notre entreprise, toutes nos machines sont numériques. Ce n'est plus des machines de menuiserie locale qu'on ne voit qu'un bloc de fer. Il y a des ordinateurs sur des machines. Il y a un côté informatique. Et tout commence par l'atelier jusqu'à dans les bureaux. Donc, nos commerciaux travaillent beaucoup avec des réseaux sociaux. Et nos commerciaux travaillent beaucoup en ligne, travaillent sur le site internet. Donc, on ne peut pas s'en passer du numérique. En fait, je dirais encore ceci, celui qui veut rester derrière le numérique, il ne pourra pas avancer. Parce que tout ce qui avance aujourd'hui n'avance qu'avec
le numérique, la technologie. Par exemple, les véhicules, on parlait des voitures mécaniques. Aujourd'hui, on parle d'électromécanique. Donc, vous voyez qu'il y a un changement. Et celui qui est resté dans le secteur mécanique, il sera toujours en arrière. Ça, c'est formidable. Alors, nous vous donnons l'opportunité de choisir une chanson qui vous a marqué, parce que c'est le cadeau du jour que nous allons offrir aux téléspectateurs. Mais c'est vous qui choisissez exactement une chanson, une belle chanson qui vous a marqué à l'époque. Alors, je dirais Wes Magico. Wes Magico? Oui, justement parce que... justement parce que sa musique est une musique qui peut être vendue partout dans le monde. Que ce soit américain, canadien, ça peut traverser au-delà des frontières. Magabu, Sinyaga Nyamava Kauza Natomo.
presque à la fin de cette émission consacrée aux icônes de l'Afrique. J'espère que vous êtes en train de noter tout ce qu'il dit sur ce plateau dans cette émission. Alors, Monsieur Samidio, nous sommes à la fin de l'émission. Nous avons, est-ce que vous avez quelques doléances à formuler à l'endroit du gouvernement camerounais? Oui, effectivement. Je dirais au gouvernement encore d'encourager les jeunes entrepreneurs camerounais, ceux qui réduisent en fait la courbe du chômage. Parce que nous avons besoin de réduire cette courbe du chômage. Et pour cela, il faudrait un peu davantage aux entrepreneurs pour que cette courbe puisse s'accroître. Donc, je sais qu'ils le font déjà, mais... oui, je sais qu'ils le font déjà, ces efforts, mais même quand vous avez un enfant à la maison et qu'il a 15 sur 20, on va tout lui demander que non, il y avait 16, il y avait 17, il y avait 18. Donc, d'encourager ça et d'encourager surtout le made in Cameroun. Ouais. Que parfois, quand il y a une opportunité et qu'il y a le maire d'une Cameroun et le maire d'une, des produits venant des autres pays, qu'on favorise d'abord le Camerounais parce que le made in Cameroun, celui-là portera l'argent pour investir sur place. Pourtant, l'expatrié prendra l'argent pour rentrer construire son pays. Donc, de ce sens, on attend beaucoup d'encore davantage les efforts du gouvernement pour accroître cette courbe du chômage. Merci, merci, merci infiniment. Alors, quels sont vos projets d'avenir? Dans quelques années, qu'est-ce que vous projetez faire? Quels sont vos projets d'avenir exactement? Nos projets d'avenir, c'est développer ce secteur du bois. Parce qu'il y en a encore, il y en a encore beaucoup à faire. Actuellement, je peux dire que notre entreprise Royalus Meubles n'est que à sa deuxième partie. En fait, la deuxième phase. Et le projet est étendu sur 10 phases. Et je vous rassure, déjà, à la septième phase, c'est au moins 250 Camerounais qui seront recrutés pour employer, pour travailler dans l'entreprise. Déjà, nous vous disons infiniment merci d'avoir merci, accepté Patrick. Notre invitation. Mais avant, qu'est-ce que vous pensez exactement de cette émission qui célèbre les valeurs sûres, anciennes comme nouvelle génération, dans tous les domaines de prédilection sans distinction? Je dirais encore les émissions Icônes d'Afrique. C'est une très très belle initiative parce que ça permet justement aux Africains de se remotiver. Aux entrepreneurs qui sont découragés ou ceux qui ont encore des idées, de voir ceux qui ont réussi pour chercher à pousser de l'avant. Parce que moi, par exemple, je ne dirais pas que j'ai échoué. J'ai vraiment réussi parce que rester quand même, être industriel, employer beaucoup de personnes au Cameroun, ce n'est pas facile. Et on le fait et ça marche très bien. Donc je dirais encore... Cette initiative est très très bien, ça permet de remotiver de plus en plus et ça fait une très très grande fierté et pour nous ça aide vraiment à réduire la courbe du chômage. Merci beaucoup. Merci, mais avant, vous êtes en face d'une jeunesse qui est en quelque sorte en perte de vitesse, une jeunesse presque désespérée, une jeunesse qui n'a plus de repères, une jeunesse qui ne rêve plus. Alors, quel est le message de fin que vous souhaiteriez adresser à cette jeunesse africaine, cette jeunesse camerounaise qui vous regarde? Un message de fin à la jeunesse. Bon, je dirais ce message à la jeunesse de travailler beaucoup de plus en plus, de se faire confiance dans leur secteur d'activité, de développer et d'investir sans peur, de ne pas dire que les choses qui tombent seulement de l'Europe pour venir ici, de voir dans leur domaine le meilleur et de chercher à être le meilleur dans leur secteur d'activité, d'investir sur les nouvelles machines, d'investir sur les dernières technologies de pointe. Parce que déjà, moi particulièrement, je cherche à tout moment et d'être à la même vitesse de la technologie en ameublement. Je veux que tous ceux qui
ont des activités au Cameroun cherchent à dire je serai à la même vitesse que l'Europe, je serai à la même vitesse que les États-Unis. Et c'est ça qui nous perd, qui permettra vraiment le Made in Cameroun. Parce que le Made in Cameroun, beaucoup de Camerounais préfèrent encore aller acheter d'autres produits parce que justement, quand ils regardent à côté de lui, ce n'est que ce qui vient de l'Europe qui est bien. Pourtant, il y a nos frères qui ont ce talent, mais qui ne développent pas, qui ont peur, qui prennent de l'argent à aller construire par exemple leur maison. Vous voyez un quincailler qui a une quincaillerie d'une valeur de 5 millions, mais qui a réussi à construire une maison de 100 millions. Pourquoi ne pas investir ça dans son domaine, dans l'industrie? Il te dira qu'il a peur des impôts. Il te dira qu'il a peur de qu'on sache qu'il a de l'argent. Donc, il ne croit pas en lui. Je demande encore à tous les Camerounais de croire à ce qu'ils font, d'investir sans crainte. Car ce n'est que par ça qu'ils pourront réussir. La vie est une succession de difficultés et de facilités qui sont restées en chantier depuis la nuit des temps. Parfois, ce ne sont pas nos problèmes qui nous rendent tristes, mais la façon d'aborder nos problèmes qui nous rendent tristes. Vous êtes meilleur dans votre domaine de prédilection. J'ai toujours coutume de dire qu'il faut être à la hauteur de votre ambition. Croyez en vous parce que le meilleur de vous est en vous et personne ne viendra à l'enlever. Mesdames et messieurs, on se retrouve la prochaine fois pour célébrer une autre icône, certainement avec un autre plaisir. Je suis Patrice Kaji. Au revoir. We'll be right back.